Putain, mais... Tu veux que je t'apporte de l'eau? Non, parce que je crois que si tu m'apportes de l'eau, ça va être encore pire, non? C'est toi le prix. J'ai préparé un plat au curry. Je me suis dit, après le sport, c'est bien de manger des trucs épicés. Parce qu'en fait, les épices, ça... Comment on dit? Ça, mais bon, c'est pas non plus... faut pas compter là-dessus, quoi. C'est juste un petit effet, je pense. Ouais. Enfin bref, ça active des trucs dans ton corps qui fait que tu fais plus de muscles. C'est très léger, certainement. C'est... Mais quitte à choisir entre un truc juste salé et un truc épicé, bah vaut mieux manger un truc épicé. Du coup, j'ai préparé un curry, mais alors... qui nique sa maman. Je me suis aussi fait très mal à la boxe. Je me suis pris un coup de coude dans l'os de la... Je sais pas comment on appelle ça. L'os de la... De la joue, quoi. La pommette. Voilà, je me suis pris un coup de coude dans la pommette. Et ça fait extrêmement mal. J'ai pleuré devant Fernand Lopez aujourd'hui. Parce que du coup, je m'étais pris des coups dans la gueule et à la fin, j'ai un peu breakdown et je me suis mis un peu à chialer. Mais gentiment, quoi, juste silencieusement dans mon petit coin, quoi. Et Fernand Lopez est venu me demander si ça allait. C'était horrible. L'humiliation. Je voulais faire la femme forte et tout. Tu parles. Je lui dis non, non, c'est rien, c'est juste que je me suis pris un coup dans l'œil et du coup j'ai l'œil qui pleure et tout. Il me fait ah, mais non, mais là il y a les deux yeux qui pleurent, hein. Oui, bah écoute, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, c'était une journée très très morose. Ça se dit morose? Oui. Genre, il a plu toute la journée, je suis sortie pour aller acheter un truc. Pour tatouer et en fait la boutique était fermée, genre ils ont vendu le local, quoi. C'est même pas exceptionnel, c'est genre ils sont plus là, quoi. J'ai pas trop travaillé aujourd'hui et je me sens vraiment mal, probablement à cause de quelques trucs qui se sont arrivés. J'ai pas mal de petites histoires qui me sont arrivées et au final ça a accumulé un peu les impressions, on va dire ça comme ça. Et voilà. Du coup, il va falloir que j'essaye de gérer ça dans les prochains jours. Oh, il commence à pourrir les courgettes. Non. Oui. How can you tell that? Ah, parce que c'est marron, il est mou, quoi. Et c'est parce qu'elles étaient restées dehors. Fuck. Bah, je les prépare demain. Hein. Oui. Pourquoi deux? Parce que j'en avais pris une pour moi et puis finalement j'ai pas pris zéro. Ah, c'est dégueulasse, va falloir la relaver. Bravo. Bah c'est pas grave, hein. Je te félicite pas. À tes souhaits. Bon, tu... Il paraît qu'il est pas trop qui. C'est qui te l'a dit, c'est Reddit? J'ai été spoilé. Il y a une mort. Dis Guillaume. Je peux avoir. Dieu sait.
sais pas qu'est-ce que je peux dire. Dis rien. Dis juste, je sais pas trop quoi dire et puis bon. Oui, mais j'ai envie de dire un truc aujourd'hui. Parce que j'ai plein de trucs à dire, mais. T'as pas envie de les dire aujourd'hui. Fais un truc super cool. J'ai plein de trucs à dire. Mais je les dirai pas aujourd'hui. Mais si je les dis pas aujourd'hui, je vais l'oublier. Ben, tu sais ce que t'as à dire. Bah, exactement. Je sais pas par où commencer. Je sais pas si c'est des trucs que les gens peuvent entendre. Tu le fais pour toi ou pour les gens ou quoi? Non, mais. Mais quand je dis les gens, j'inclus toi et. Et genre les deux personnes qui nous regardent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu le fais pas pour toi. J'ai dû mettre c'est le dire en privé parce que mes soeurs voulaient pas que son interview soit sur internet. Le vlog 8 existe bel et bien, mais. Et il est en ligne, mais il n'est pas répertorié. Parce que mes soeurs voulaient pas que je le mette. J'aurais préféré que pour une fois ils s'en foutent comme d'habitude. Tu m'étales des trucs personnels. Hein? Tu m'étales des trucs personnels. Personnellement, je serais comme. En vrai, il n'y a pas grand. J'ai coupé tout ce qui était personnel. J'ai juste laissé ces histoires de gros sandwich à Subway. Et... Ouais, mais tu sais, c'est. Non, on n'a pas envie de partager ces trucs. Hein. Je sais. Mais tu te souviens de ce que Mister t'a dit que t'as tendance à partager pour les autres. C'est pas bien. J'ai l'impression de rentrer le couteau dans la plaie, mais j'aimerais bien que tu retires ce, le premier également. Parce que maintenant que je sais que tu envoies des changes, j'aime vraiment pas.